Et salut! Alors, une nouvelle escapade, cette fois-ci sur Waiheke Island, donc qui est à environ 30-40 minutes de ferry de Auckland. La météo est très propice à la verdure aujourd'hui. En gros, il fait un temps pourri. Mais ça ne va pas nous empêcher de visiter cette superbe île, donc Waiheke Island, qui est connue pour être une des îles les plus belles du secteur. Par contre, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Allez, on va voir ça. Bon, bah, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein. C'est très très vert, comme beaucoup d'endroits en Nouvelle-Zélande, très vallonné également. Pour l'instant, on est monté donc sur la côte, sur le relief, et on est redescendu de l'autre côté. Donc, pour arriver à différents points de vue, donc on a cette magnifique crique qui est assez stylée. Bon là ça fait un peu crique bretonne, écossaise et compagnie, parce qu'il fait pas beau et la mer est pas belle. Mais c'est quand même bien sympa. Il y a deux trois trucs un petit peu chelous également, comme là juste en face de moi, il y a un espèce de chien à roulettes. Voilà, un chien à roulettes sur rail. Malheureusement également les gens ont l'air d'avoir beaucoup d'argent ici et il y a beaucoup de grosses maisons. Maisons d'architectes, là, les grosses maisons carrées très moches, qui gâchent un petit peu le paysage. Donc on a continué notre chemin sur le sentier qui longe la côte pour revenir près du port, là où on espère pouvoir prendre un bus pour aller tout à l'est de l'île, où il y a des endroits sympas à voir. Et franchement, ce petit sentier est vraiment cool, il y a beaucoup de très très jolis paysages, des falaises escarpées, avec en plus la mer, elle n'est pas super... pas super calme, elle est un petit peu agitée et du coup ça fait beaucoup d'écume et c'est plutôt joli. C'est un sentier bien sympa que je recommande fortement. Faites attention quand même quand il a plu parce qu'il est un peu glissant. Moi je me suis vautré en beauté et j'ai mon pantalon tout plein de boue maintenant. J'ai la classe, un vrai aventurier. Mais on a fait un gros changement de programme.
Donc impossible d'aller à l'extrême est de l'île, tout simplement parce que donc cette partie, les routes ne sont pas goudronnées et les bus n'y passent pas, et donc il faut absolument louer une voiture, et la location de voiture coûte à peu près 60 balles la journée, donc c'est mort. On a pris le bus pour aller à Onetangi, donc qui est un petit patelin assez mignon, avec un sanctuaire d'oiseaux. Malheureusement, donc on a fait juste un petit crochet par le sanctuaire, mais il s'est mis à pleuvoir plutôt pas mal, et puis maintenant c'est tout gris, les nuages sont bas, et les points de vue ne sont tout simplement plus visibles. Donc malheureusement, nous allons prendre le bus, revenir au port et puis rentrer. Voilà. Donc ça clôture un peu rapidement notre journée. J'aurais quand même préféré en faire un peu plus, mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc petit bilan sur Waiheke. Donc Waiheke, franchement, c'est cool. En dehors du mauvais temps, etc., c'est cool. Par contre, il faut prévoir une voiture. Vous pouvez la louer sur le continent et traverser avec la voiture, ou la louer sur place. Hein. Mais voilà quoi. Voiture indispensable. S'il ne pleut pas trop, c'est mieux. En matinée, vous avez vu, il y a eu quelques petites pluies éparses, mais ça allait très bien. C'était pas très handicapant. Par contre, là, cet après-midi, il a beaucoup plu. Les paysages ont un peu changé. Vous voyez, c'est très gris. On voit même plus l'horizon, on apprécie tout de suite beaucoup moins. Sur ce, je te dis à bientôt. Normalement, on a un petit programme qui va commencer à se charger en visite là, parce qu'il nous reste plus qu'un mois sur Auckland. Voilà, jour pour jour d'ailleurs, vu qu'on commencera notre super voyage à travers le pays le 29. Reste à l'écoute pour les vidéos suivantes. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, à bientôt. Salut.